Bonjour les cancers, bienvenue d'être ici. Merci de passer un peu de temps avec moi. Ça va être très très court aujourd'hui. Je fais des messages en rafale. C'est comme prendre une photo de l'énergie entre vous et chacun des signes du zodiaque dans l'ordre. Donc, sur quel mode se base la relation entre vous et un bélier, un taureau, etc. Donc, merci de liker la vidéo si ça vous plaît. Merci de commenter si vous voulez me dire que c'est une formule qui vous plaît aussi. Si vous voulez que je refasse, je me lance. Donc, pour vous les cancers avec un bélier, la communication est ouverte. Quelque part, quelqu'un attend la communication de l'autre. Je crois que c'est cette personne-là envers vous. Elle a quelque chose clairement à vous dire, à exprimer. Mais elle pense que vous lui tournez le dos. Si vous traitez avec un taureau, quelqu'un veut s'engager, quelqu'un y pense, mais ça l'obsède plus que d'autres choses. Donc en fait, vous avez quelqu'un de solide devant vous, mais je ne suis pas sûre que vous voyez l'opportunité qui se présente à vous. Si vous traitez donc avec un gémeau, c'est une très très belle énergie, il y a une amitié, il y a une base d'amitié, vous pourriez donc aller loin avec cette personne, c'est le début de quelque chose de très beau. Si vous traitez avec un cancer, quelqu'un s'éloigne de vous, quelqu'un préfère ne pas échanger donc au niveau amoureux avec vous, je crois que cette personne est très découragée. Si vous traitez avec un lion, quelqu'un a choisi de ne plus attendre, quelqu'un a choisi d'amener son amour ailleurs, de le donner à quelqu'un d'autre. Si vous traitez avec une vierge ici, vous avez aussi donc un scénario où est-ce que quelqu'un a préféré vous éviter, quelqu'un vous a coupé de sa vie, quelqu'un pense que c'est vous qui lui faites ce coup. La personne se sent entre autres flouée. Ou c'est vous qui vous sentez comme ça. Si vous traitez avec une balance, quelqu'un est très sérieux, quelqu'un prend son temps, mais quelqu'un a quand même de la difficulté à voir comment répéter exactement, ou en fait, est plutôt attaché à ne pas répéter le même scénario, mais la personne veut s'investir quand même. Donc, ça serait sur de nouvelles bases. Si vous traitez avec un scorpion, laissez-moi vérifier, bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, balance, scorpion, j'étais sur le bon signe. Si vous traitez donc avec un scorpion, c'est la fin d'une phase avec cette personne. Vous avez l'occasion par contre que les choses reprennent sur de nouvelles bases. Il va falloir fournir un effort. Il faut surtout donc mettre vraiment la roue à l'épaule ici. L'épaule à la roue, pardon. Sans effort, il ne se passera rien. Si vous traitez avec un Sagittaire, il y a énormément d'amour. C'est probablement un signe de feu, en effet, qui est Sagittaire, bien sûr. Mais c'est très passionné entre vous deux. La personne est particulièrement donc attachée à faire fonctionner les choses entre vous deux. La personne est très orgueilleuse, mais dans le bon sens. En fait, elle s'enorgueillit d'être avec vous. C'est ce que je voulais vous dire. Si vous traitez avec un Capricorne, quelqu'un prend des risques vis-à-vis vous, a l'impression que vous êtes un risque pour elle. Il y a peut-être une situation de travail ici, ça serait pourquoi ça serait risqué à ses yeux. Si vous traitez avec un Verseau, il y a énormément de stress du côté de cette personne. La personne pense énormément à vous, mais de façon très, très, très négative ici. Elle se ronge les seins, en fait. Probablement qu'elle se sent donc coupée de vous. Si vous traitez avec un poisson, la communication est difficile. Quelqu'un a peut-être bloqué l'autre. On dirait que la personne vous perçoit comme quelqu'un de très, très indépendant, qui est focusé sur son travail, sur ses responsabilités. Vous n'avez pas le temps de discuter avec cette personne. Du moins, c'est ce qu'elle perçoit de vous. Donc voilà pour l'énergie rapide du moment. Si vous aimez cette formule, s'il vous plaît, laissez-moi un petit commentaire, un like, comme vous voulez.
Donc, merci aussi de vous inscrire à la chaîne si ce n'est déjà fait. Vous pouvez m'envoyer un courriel. J'ai donc l'adresse dans la boîte de description. Si vous voulez un tirage personnalisé, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Merci beaucoup.